tous. Je sais pas comment c'est novembre chez vous. Ici, c'est pourri, en fait. Il fait brumeux, il fait moche, les jours sont courts et on n'est pas encore habitué. La seule chose qui fait que novembre à Vienne, c'est supportable, c'est qu'après novembre, il y a décembre, et qu'en décembre, on a les marchés de Noël. Sauf que cette année, bah du coup, pas de marché de Noël. Alors, c'est pas facile. Du coup, pour quand même languir un peu décembre, pour arriver à traverser novembre, ben calendrier de l'Avent. Pas pour moi, hein, pour lui. Okay. C'est pas pour tout de suite, ça commence au 1er décembre. Allez, viens là, installe-toi. Ce que je vous propose, c'est pas toi qui décide. Alors, ce que je vous propose, ça va être de réaliser 24. Ah non, pas 24 loulous, Malbec 1, c'est bien suffisant. 24 petits paquets de ce type-là. Voilà, Malbec, en tout cas, ça l'intéresse, je pense que ça va lui plaire. Tu viens là? Est-ce que tu te calmes un peu? Comme ça, je peux expliquer aux gens. Sit. Voilà. J'adore quand il fait ça. T'es trop mignon. On se calme un peu? On se calme 2 secondes? Allez, place. Malbec. Ça sent très très bon pour lui en fait, c'est que des trucs qu'il aime dedans. Alors, ah ben tiens, reste là. Donc ce que je vous propose, c'est une catastrophe cette vidéo. De toute façon, on a besoin de rire aujourd'hui, hein, je vous le dis. Alors je vous ai dit sur les réseaux sociaux, qu'est-ce qu'il est pénible. Je lui donne rien en plus, il le voit, il le veut et il a rien en échange. Alors, je vous ai dit de récupérer 24 rouleaux de papier toilette. Et la raison, c'est justement donc pour pouvoir faire ce calendrier de l'Avent. L'idée, elle m'est venue en voyant que dans le commerce, il y en avait. Simplement, ils sont très chers. Ils coûtent une vingtaine d'euros. Et pour ce que c'est, je trouve que c'est assez. À mon sens, c'est assez ridicule. Cela dit, faire un calendrier de l'Avent pour son chien, ça peut paraître ridicule à beaucoup de monde. Hein. C'est peut-être un peu excessif, simplement c'est encore dans mes standards. En fait, quand j'ai vu les calendriers de l'Avent dans le commerce, ce qui m'a le plus embêté, c'est qu'ils n'avaient rien d'amusant pour le chien. C'est-à-dire qu'ils étaient faits sur le modèle des calendriers de l'Avent pour enfants. Enfin, ceux que j'ai vus en tout cas, il y a peut-être mieux. Et quand vous êtes gamin et que vous avez un calendrier de l'Avent, ce qui vous intéresse, c'est pas tant le chocolat, c'est ce qui vous intéresse, c'est d'ouvrir la petite porte et de voir sur le chocolat quelle est la forme qui est en relief dessus. C'est ça qui est sympa. Si on vous disait tous les matins, bah, tu peux juste prendre un carré de chocolat sur une tablette, ça aurait absolument aucun intérêt. Du coup, je me suis dit, qu'est-ce qui pourrait amuser mon chien? Bah lui, c'est très simple. Ce qui l'amuse, c'est de dézinguer littéralement des trucs. J'avais pas envie d'acheter des boîtes pour simplement qu'il les détruise. Parce qu'acheter des boîtes qui font un peu Noël, c'est aussi le prix d'un calendrier de l'Avent, finalement. Du coup, je me suis dit, bah, on va le faire avec des rouleaux de papier toilette. Donc, je vous ai mis, en fait, en dessous, en description, je vous ai mis un fichier. Vous allez pouvoir l'imprimer. Et en fait. Donc vous prenez un rouleau de papier toilette, vous allez coller, en fait il va y avoir une petite étiquette par jour, la collez dessus, et en fait après vous allez pouvoir mettre à l'intérieur des choses super agréables pour le chien. Ce que vous pouvez mettre à l'intérieur, vous pouvez mettre des biscuits pour chien, soit que vous faites vous, soit que vous achetez. Ne mettez pas des trucs trop gros parce qu'il n'y a pas beaucoup de place dedans, hein. Donc on ne peut pas mettre des grosses friandises, on ne peut pas mettre des jouets. Donc mettez des petits biscuits, vous pouvez mettre des aliments séchés, des abats, des morceaux de viande. Si vous n'êtes pas expérimenté pour déshydrater vous-même, achetez-les plutôt pour cette fois-là. Parce que comme ça va rester jusqu'à 24 jours dans une boîte que vous n'allez pas regarder, si ça moisit, vous n'allez pas vous en rendre compte. Vous pouvez aussi mettre des fruits secs, sauf des raisins. Donc vous pouvez mettre des dattes, des noyautés, vous pouvez mettre. C'est pas pour tout de suite! C'est pas pour tout de suite! Viens ici! Mais en tout cas, ça lui plaît, hein. J'ai l'impression que ça lui plaît. Malbec! En plus, t'as pas le droit d'être sur le canapé! C'est n'importe quoi cette vidéo, c'est incroyable! Allez! T'as pas le droit d'être sur le canapé? Pas ici! Ah oui, ce que je voulais vous dire aussi. Ce que je vais faire,
J'espère que je vais le faire. Mais ce que je prévois de faire, c'est de faire un tout petit film tous les jours de Malbec qui ouvre son paquet. Et je le mettrai sur notre page Facebook, qui pour l'instant n'est pas très active, mais voilà. Si vous voulez aussi faire un calendrier de l'Avent et partager, n'hésitez pas dans les commentaires à mettre vos propres petites vidéos et à nous dire surtout ce que vous aurez mis dedans. Ça pourrait donner des idées à d'autres et ça pourrait donner des idées pour l'an prochain.